Il y a très très longtemps, quand les poules avaient des dents et qu'on voyait voler les éléphants, le lapin et l'écureuil étaient amis et se ressemblaient énormément. Tous les deux avaient de petites oreilles et une très longue queue. Cette année-là, l'hiver est très froid. Dehors, tout est blanc et glacé. Dans le terrier, le lapin est frigorifié. Gla gla gla. Le lapin a faim. Il va dans le potager pour chercher à manger. Il trouve une carotte. Il croque dedans. Aïe aïe aïe, mes dents! La carotte est gelée. Il ramasse un navet. Il croque dedans. Aïe aïe aïe, mes dents! Le navet est gelé. Il attrape un chou. Il croque dedans. Aïe aïe aïe, mes dents! Tout est gelé dans le potager. Le lapin n'a plus rien à manger. Il cherche du matin au soir et du soir au matin, rien. Il fouille dans la neige, farfouille dans les jardins, rien de rien. Il est devenu tout maigre, le lapin. Un matin, sur un chemin, le lapin tombe nez à nez avec l'écureuil qui est bien grassouillé. Bonjour, mon lapin, tu vas bien? Tu m'as l'air bien maigrelet. Écureuil, j'ai faim, je ne trouve rien à manger. Tu n'as qu'à faire comme moi, mon lapin. À la nuit tombée, je trempe ma queue dans la rivière. Au petit matin, d'un saut, je sors ma queue de l'eau. Des dizaines de poissons y sont accrochés. Je n'ai plus qu'à les manger. À la nuit tombée, le lapin court vers la rivière. Il trempe sa queue dans l'eau et il attend. Le lapin frissonne. Pour se réchauffer, il se met à chanter. Petit poisson, approchez-vous. Petit poisson, accrochez-vous. Allez, allez, je veux manger. L'air de la nuit est de plus en plus glacial. Le lapin a les moustaches givrées. Il peut juste fredonner. Petit poisson, approchez-vous. Petit poisson, accrochez-vous. Allez, allez, je veux manger. Au petit matin, le lapin est pressé de manger. Il essaye de sauter, mais il reste collé. Il essaye encore, impossible de bouger. Le lapin regarde derrière lui. L'eau de la rivière a gelé dans la nuit. La queue du lapin est coincée dans la glace. Au secours, sortez-moi de là! L'écureuil l'entend de loin, il accourt. Attends, mon lapin, je vais t'aider. L'écureuil bondit sur une branche, saisit les oreilles du lapin et se met à tirer. Il tire, il tire, il tire. Les oreilles du lapin s'allongent, 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 mais sa queue est toujours coincée. L'écureuil tire plus fort, encore plus fort, et là, crac! Badaboum, bam, bam! Le lapin tombe à la renverse et glisse sur le sol glacé. Il est tout tourneboulé. Que s'est-il passé? Oh là là, mon lapin, ta queue est restée dans la glace, et tu as un joli petit pompon à la place. Et si tu voyais comme tes oreilles sont longues. Allez, viens, mon lapin, il y a à manger chez moi. C'est depuis ce temps-là que les lapins ont de longues oreilles sur la tête et un pompon au popotin.